Bonsoir à tous mes abonnés, une fois encore de plus, je vous dis merci beaucoup. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment enlever un mot de passe définitivement sur un fichier PDF. Dans ce cas, il s'agit d'un PDF que vous connaissez le mot de passe et que vous voulez ôter définitivement le mot de passe. Je vais vous montrer de quoi je parle pour vous expliquer mieux. Je prends le dernier PDF sécurité informatique. Je clique là-dessus. Vous voyez, elle me demande le mot de passe. Donc, je vais mettre le mot de passe. Je vais mettre le mot de passe. OK. Vous voyez, c'est déverrouillé. Mais lorsque je vais sortir encore, vous voyez, lorsque je vais rentrer encore, elle me demande toujours le mot de passe. Donc, l'astuce que je vais vous montrer dans ce tutoriel, c'est comment ôter définitivement ce mot de passe. Parce qu'il peut arriver des fois que vous pouvez oublier le mot de passe et vous n'aurez plus accès au fichier PDF. Donc, je vais vous montrer l'astuce, comment est-ce que ôter définitivement ce mot de passe. Donc, je vais sortir tout simplement. Je vais entrer dans l'application PDF InLocker Pro. Je vais cliquer là-dessus comme cela. Vous voyez, lorsque je clique là-dessus comme cela, d'abord, avant, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Je vais dans UI Explorer. Et je maintiens comme cela. Et je vais vous montrer. Vous voyez, remarquez ceci. En sécurité informatique.pdf. Remarquez très bien et après je vais vous montrer que le changement a bel et bien eu lieu. Donc regardez bien. Donc je vais sortir et je vais revenir encore sur l'application. Donc je viens maintenant dans PDF Unlocker, Unlocker Pro et je clique sur Open PDF. Et je vais chercher le PDF dont je désire ôter définitivement le mot de passe. Je vais descendre juste en bas et je vais cliquer là-dessus, cocher comme cela et je vais cliquer sur choisir. Donc je clique sur choisir. Vous voyez? Donc ici, on vous demande de mettre le mot de passe du PDF dont vous désirez ôter définitivement le mot de passe. Donc je vais mettre le même mot de passe encore. Rapidement. Et je vais cliquer sur OK. Et j'attends. Vous voyez? On me dit que ce PDF en quelque sorte est bloqué. Donc je vais venir cliquer sur InLocker. Vous voyez? Je vais cliquer sur InLocker pour enlever ou bien ôter définitivement le mot de passe qui se trouve sur ce fichier PDF. Donc je vais cliquer sur InLocker. InLock, moi s'il vous plaît. Je vais cliquer sur InLock. Donc, elle me demande de confirmer. Je vais cliquer OK. Vous allez voir. Ouais, suivez bien. Donc, je vais sortir tout simplement. Et je vais venir ici voir vérifier quelque chose. Vous voyez? Lorsque je viens ici, il y a deux fichiers PDF maintenant qui portent le même nom. Maintenant, je vais vous montrer là où se trouve la différence. Je vais prendre, cliquer sur le premier fichier PDF, vous allez voir. Je vais cliquer sur renommer. Vous voyez? Ils ont mis sécurité informatique, unlock.pdf. Ça veut dire que le mot de passe a été ôté définitivement. C'est que dès lors que ça veut dire que maintenant, si je veux entrer pour lire le fichier PDF, on me demandera plus de mettre un mot de passe. Donc, nous allons vérifier ensemble si c'est effectivement cela. Donc, je vais cliquer. Mais d'abord, je vais vous montrer cela. Vous voyez, regardez ici d'abord. Vous voyez quand vous ne voyez pas le mot locker. Mais lorsque je viens cliquer ici, vous voyez ici, en même sécurité informatique, locker. Vous voyez ici. Donc, je vais cliquer pour voir
S'il n'y a plus de mot de passe, donc je clique pour ouvrir le PDF. Je clique pour ouvrir le PDF, donc je patiente. Vous voyez, il n'y a plus de mot de passe sur le fichier PDF. Le mot de passe a été ôté définitivement. Nous allons vérifier encore. Même si je sors comme cela et je clique encore, vous allez voir, il n'y a plus de mot de passe. Ça veut dire que le mot de passe a été ôté définitivement. Donc, c'était tout pour ce tutoriel-là. Comment est-ce que ôter définitivement un mot de passe sur un fichier PDF? C'était l'astuce que je voulais partager avec vous de ce tutoriel-là. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à ma chaîne YouTube.